Bonjour, chers investisseurs, chers partenaires, chers collègues, chers téléspectateurs, tous ceux qui s'intéressent au projet. Nous sommes de nouveau sur le site de construction, le site numéro 16. Nous sommes à Technopolis Moscou, dans la ville de Zelenograd, à Alabouchevo. Derrière moi, il y a une fondation. Nous avons déjà vu beaucoup de fondations, mais aujourd'hui, il y a une petite différence. C'est que les fondations que vous voyez derrière moi, ce sont les dernières de cette étape. C'est la partie finale de tout le cycle. Et les fondations sont prêtes pour le montage des constructions au métal. Et c'est la fondation du bâtiment ménager et administratif. Avant, il n'était pas possible de faire ce travail. Parce que, vous savez, si vous tournez la caméra, vous pouvez montrer ce qui se passe là-bas. Le bâtiment est tout près des maisonnettes. On a dû démonter une partie des maisonnettes. On vient de faire les travaux de nettoyage. Une partie a été démontée. Et maintenant, vous voyez que les ouvriers nettoie le reste du sol. Et nous voyons que le remplissage est presque terminé. Et au cours de 2 jours, tout sera fini. Les travaux avec le béton seront finis. Là, vous voyez une fondation, la base de fondation en béton. Et dans quelques jours, tout sera bien enterré. Là, vous voyez 1, 2, 3, 4. 4 fondations. Sur les images avant, vous voyez une partie du bâtiment qui était en sorte en dessous. C'est l'entrée du bâtiment. Et maintenant, les caméras montrent que les maisonnettes sont là. Il y a très peu d'espace. Le site n'est pas si grand que ça. Il a fallu faire ces travaux à l'étape finale. Il n'était pas possible de le faire avant, parce qu'il fallait bien utiliser cet espace. Avant, il y avait 6 grues ici, mais maintenant, nous ne pouvons pas les placer ici. Et vous savez, l'espace où ces fondations-là sont montées pour les travaux de coulée, avant, les ouvriers les utilisaient pour faire les travaux de montage. Maintenant, on ne peut pas y mettre une grue. Ce n'est pas possible. Il ne reste qu'un passage. Voilà, il y a les caméras, il y a moi. Il n'y a plus d'espace. Donc l'échelle des travaux est moins grande. Avant, il y avait 6 grues et maintenant, il n'y en a qu'une. Voilà, nous avons regardé où le bâtiment administratif commence et voyons où cela se termine. Nous sommes justement au bout du bâtiment administratif. Derrière moi, vous voyez un mur en béton. C'est une rupture par feu qui sépare la partie industrielle de la partie administrative et ménagère. Si vous tournez la caméra maintenant, faites-le s'il vous plaît. Vous verrez que les ouvriers sont en train de démonter les dalles. C'est fait pour les travaux de remblayage. Et avant, il y avait des maisonnettes. C'est tout maintenant. Il y avait des cabines. Maintenant, on libère de l'espace pour émettre des grues. Et si rien ne nous empêche de le faire, le 15 septembre, nous verrons le montage de cela bien fini. Le montage de tout ce complexe, de tout cet ensemble. Et ici, vous voyez les cabines des ouvriers. C'est là que la fondation finit et c'est là que vous voyez les cabines. Il n'y a plus d'espace. Il n'y a plus où aller. C'est pile l'un côté de l'autre. On ne peut rien faire. On ne peut pas faire un grand volume de travail. C'est pour cela qu'il y a moins d'ouvriers qui montent. Et les ouvriers vont finir les travaux sur la fondation et
on va se concentrer sur cette partie-là. Les puits d'ascenseur, les volets d'escalier, etc. On va utiliser toutes nos forces pour travailler dans cette partie-là. Donc oui, il y a eu une rupture dans l'arrivée des fonds et cela s'est compensé en quelque sorte par une certaine rupture dans les travaux. Bon, ce n'est pas une rupture et ce n'est pas un échec. C'est la fin d'une partie des travaux et le début d'une autre partie du travail. À la fin, on paye toutes les sommes. Avant, on payait des avances et maintenant, il faut faire des actes de travaux effectués et beaucoup d'argent est payé. Maintenant, nous travaillons en temps réel. L'argent vient et le même jour, cet argent va payer les factures. La situation reste assez intense et nous cherchons petit à petit les moyens pour rendre la situation plus facile. Derrière moi, vous voyez un puits. Il y a le coffrage. Et ce puits, c'est l'un des sites les plus difficiles de travail. Pourquoi ? Imaginez, par exemple, des ouvriers montent le puits et il y a une déviation de 2 à 3 cm. La construction de métal ne pourrait pas être mise avec précision. Donc, il fallait faire le puits et monter des constructions en métal au même temps. Et maintenant, on aligne la construction en métal et le béton. Et la plus grande difficulté, c'est la mise de coffrage pour faire venir le béton, ce n'est pas difficile, il faut utiliser une pompe à béton, mais bien mettre le coffrage, c'est plus difficile, il faut prendre en compte les particularités du béton, de l'armature, etc. Mais vous pouvez bien voir que nous sommes presque au niveau du plancher entre le premier et le deuxième étage. Et vous voyez que les ouvriers montent des éléments de la toiture sur la partie basse du bâtiment annexe. Tout se prépare pour commencer les travaux sur la toiture. Les gars ont déjà montré des images du quadricoptère. J'espère qu'ils vont continuer à le faire pour voir l'échelle du bâtiment et l'échelle des travaux en ce qui concerne les planchers. Vous pouvez voir même d'ici que les profilés sont mis entièrement. Et il y a l'hydroisolation pour que le béton ne coule pas. On va maintenant nous mettre d'accord sur le prix pour la mèche qu'on va mettre et on va se préparer à la coulée des planchers. Cela sera une nouvelle étape des travaux d'envergure, de grande envergure. L'épaisseur des planchers sera de 16 cm. Vous verrez tout cela. Et tous qui ne croyaient pas dans la possibilité de réaliser tout cela, regardez bien, voilà, c'est réel. Peut-être il y en a qui pensent que ce n'est pas réel, que c'est juste un montage, que peut-être c'est un site tout différent ou un bâtiment différent, que c'est de la fraude. Mais si vous tournez maintenant la caméra à 180 degrés, vous verrez l'inscription. Pour tous ceux qui ne croient pas. Technopolis Moscou. Ceux qui savent lire pourront lire. Ils verront tout avec leurs yeux. Et ceux qui ont les oreilles pourront bien entendre des choses. Donc il y a une confirmation de où nous sommes et ce que nous faisons. Maintenant, allons vers le bâtiment, vers l'entrepôt. Approchons-nous d'un autre endroit intéressant. Les caméramans vont vous montrer cet endroit. Ce sont des puits d'entrée. C'est là. L'armature est là, tout est prêt. Les coffrages sont là. Tout est prêt pour la couler. Et en face de moi, vous voyez ce conteneur avec du béton. Un mixeur va arriver et ils vont continuer les travaux de couler. Là, c'est l'entrepôt.
Montrez-le, s'il vous plaît. L'entrepôt avec de l'armature, il est presque vide maintenant. L'armature, il n'en reste presque pas. Il n'en reste presque plus. Au fur et à mesure que les travaux de béton touchent à sa fin, il y a de moins en moins d'armature. Vous voyez combien d'espace il y a maintenant? Là, derrière moi, l'entrepôt était encombré de constructions en métal pour le bâtiment. Et maintenant, il n'y a que des restes. Bien que, au fur et à mesure de la construction, on faisait venir beaucoup d'armatures ici, on peut voir une autre vue. Vous voyez notre bâtiment, qu'il est beau. Et là aussi, une vue d'ici. C'est la partie derrière du bâtiment. Et vous voyez que le puits a déjà passé le niveau du plancher entre le rez-de-chaussée et le premier étage. Et maintenant, on va venir jusqu'au toit. Ces travaux touchent à leur fin logique. Et maintenant, approchons-nous de l'autre bout du bâtiment. Derrière moi, vous voyez un puits. Vous voyez que le plancher entre le rez-de-chaussée et le premier étage est là. Et maintenant, on s'approche du plancher entre le premier et le deuxième étage. Le puits, c'était aussi une étape difficile du travail. Et en face, vous voyez le panorama. Ce puits-là, et avec les coffrages, ici aussi, on a les armatures, les puits, les coffrages sont arrivés. Les volets d'escalier sont aussi prêts pour y mettre des coffrages. Les puits derrière sont aussi prêts. On va y mettre les coffrages pour la couler. On voit que la partie derrière et la partie gauche, les dalles du sous-sol sont déjà là. Ils vont y faire des travaux de coulée. Là, vous voyez que la grue décharge les éléments des planchers et s'est entreposé là. Ici, nous voyons le rouleau. On voit qu'il nous reste une couche. Et nous allons atteindre le niveau du sol. Donc voici l'image que nous avons. Le volume qui a été effectué, le volume du travail, c'était fou. C'était énorme. Il était très difficile de commencer, bien sûr. Et il sera difficile de tout terminer. Pourquoi? Parce que, aux premières étapes, quand il y avait un grand niveau de risque, les choses n'étaient pas claires. Beaucoup de gens investissaient parce qu'ils avaient une bonne réduction. Ok, ça réussira ou pas. Il y a des gens qui ont assuré le début de ce projet. Ils voulaient prendre ce risque. Et puis, ceux qui leur faisaient confiance se sont joints à eux. Mais maintenant, les gens qui venaient aux premières étapes, vous savez, ils ont l'esprit pratique. Ils aiment les réductions. Parce que bien sûr qu'on peut investir un rouble et avoir des réductions et avoir 3 roubles comme résultat. Mais maintenant, les réductions sont moins importantes. Et maintenant, les gars de Solar Group cherchent des options, comment ils peuvent attirer plus de gens. Ça, c'est une chose. Et une autre chose, c'est qu'il y a des gens qui ont des revenus bas. Donc c'est raisonnable de créer des packs encore plus petits, par exemple de 150 $, et pour assurer des paiements échelonnés pour que les paiements mensuels soient bas et accessibles pour les gens qui ont le niveau de revenus bas, pour qu'ils puissent également devenir co-investisseurs. Parce que vous voyez qu'après avoir construit un tel géant
après avoir investi tellement, il n'y a pas d'autre chemin. Il faudra terminer cela, il faudra tout mettre en service et commencer à avoir du profit. Mais maintenant, tout dépend des investisseurs, je l'ai déjà dit. Tout dépend de leurs possibilités. Notre qualification, notre expérience, nos capacités, nous les avons déjà bien montrées, je crois. Nous avons montré ce que nous savons faire, ce que l'équipe sait faire. Je pense que c'est évident d'après ce que vous voyez. Il était difficile de convaincre en n'ayant qu'une idée, en n'ayant rien qu'une idée, en ayant des résultats confirmés, des tests, etc. On a montré que la technologie était réalisable, mais peu de gens pouvaient croire qu'à part le fait d'imaginer la technologie, l'équipe pouvait aussi créer quelque chose comme cela. J'espère que nous aurons beaucoup d'événements intéressants par la suite, beaucoup de moments émouvants, qu'il y aura beaucoup de choses intéressantes pour vous montrer, pour vous raconter. Mais ce que vous voyez déjà, cela a son prix, cela a sa valeur. C'est déjà liquide dans le sens financier du terme. Et puis on nous dit d'y faire, je ne sais pas, un supermarché ou un garage, mais je ne pense pas qu'on y réussira parce que le bâtiment n'est pas fait pour. Ça serait vraiment pas désespéré. Ce bâtiment est conçu exprès pour les tâches que nous avons l'intention de résoudre. Que pour ces tâches-là. Donc suivez nos reportages. On va tout tourner. Alexandre va vous parler de ce qui se passe. Et écoutez plus votre esprit et votre cœur. Et écoutez moins, je ne sais pas, des auteurs d'opinion ou comment elles s'appellent déjà. J'ai oublié. Vous savez, sur YouTube, il y a beaucoup de gens qui génèrent les opinions. Ils disent des choses et puis on les croit. Mais pourquoi? Je ne sais pas. Il y en a qui sont des chefs qui ont échoué. Il y en a qui sont des menuisiers qui ont échoué. Il y en a qui sont des managers échoués. Parce que d'habitude, ce sont des gens qui ont fait mourir le business, qui n'ont rien pu faire. Ceux qui ont lu des choses dans la littérature, qui ont lu du n'importe quoi. Et ce sont des personnes qui n'ont jamais créé de choses de valeur. Et c'est eux qui aiment beaucoup parler. Ils n'ont pas d'autres sources de revenus, ils n'ont pas d'autres moyens d'avoir un revenu. Ils sont comme des poissons parasites, vous savez, des poissons parasites qui s'accrochent aux requins ou aux baleines. C'est leur seule chance de faire quelque chose, mais il faut se débarrasser des parasites. Donc, ces auteurs d'opinion là, ces générateurs d'opinion là, virez-les. Ne croyez que vos yeux, croyez ce que vous voyez. Bonne chance. Bonne chance. Bonne fin de semaine. Je vous souhaite d'être en bonne humeur et bonne fin d'été. À bientôt. Au revoir et bonne chance.